Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est parti préparer le terrain pour les pommes de terre. Bon, c'est un peu en avance, mais il faut prévoir environ 15 jours, 3 semaines pour préparer. Là je vous avais dit c'est la grelinette. Bon, j'ai un peu la buffe parce que je viens de faire une petite séance de sport. Là je vais vous montrer. Je viens de faire 6 mètres de long là, sur 3 largeurs de grelinette. Bon, vous voyez le rendu, ça se délite super bien. Vous me direz, quelle terre de jardin? C'est vrai que c'est une terre de jardin, limoneux, un peu d'argile quand même, parce que pour savoir si vous avez de l'argile dans le jardin, là vous voyez ça fait des motoyons, mais il y a moins de 20% d'argile, c'est surtout du limon. Parce que juste à côté de la palisse, il y a un petit cours d'eau. Et je pense que dans le temps, il devait y avoir les alluvions. En fait, les limons, c'est ce qui est le meilleur. Et vous voyez des beaux pieds de brome là. Bon, c'est pas parfait, hein. Là, moi, je passe un coup de grelinette grossier. Vous verrez les mouvements que je fais. Parce que je vous remettrai en lien la vidéo de l'an dernier. Moi, c'est une 4 crocs. Vous pouvez en avoir à plusieurs crocs. Mais je vous rassure, je fais pas les 500 mètres carrés comme ça. J'ai décidé de faire ce jardin sans motoculteur. C'est le plus petit que j'ai, et comme je peux pas y venir en tracteur, je le ferai tout à la main. Et voilà le rendu que ça donne après avoir émietté à la main et enlevé les mauvaises herbes. Bon, il y a des racines de peupliers, mais dans l'ensemble, le terrain est prêt, parce que regardez, c'est pas compact, on gratte à la main. J'ai laissé quelques petites mottes, et vous voyez assez fritron au premier coup de croc quand je planterai les pommes de terre. Ce que je voulais vous montrer aussi quand même, là ici, tout ici là, c'était le chemin entre l'ail et les fèves, je vais y arriver. Là, il y a encore les résidus de fèves de l'an dernier. Il y avait les résidus d'haricots. Et voyez, sans travail de sol depuis un an, là, le dessus est gras. Attends, il y a un petit tamis vert de terre. Celui-là est pour vieux. C'est pour ça que je ne veux pas planter les pommes de terre en direct. Bon, là il y a une taupe, elle a fait du boulot toute seule. Vous voyez, ça s'est recompacté. Alors avec la grelinette, ça marche super bien. Bon, moi j'en ai environ pour une petite demi-heure encore à faire. C'est l'autre jour là, pour faire cette longée là, j'ai passé une heure. Et moi je vous dis à bientôt.